On parle de marques, Père Dodu, Michel Augustin, ça appartient à des industriels. Qu'en est-il concernant les marques distributeurs? Puisque la formation est à la source, donc à l'industriel, mais la marque distributeur ne souhaite pas forcément qu'on communique sur l'industriel qui l'a fabriqué. Alors, c'est un débat en cours là, sur dans le comité de pilotage donc de Proxy Produit, de ce qu'on est en train de faire là. Il y a Carrefour, il y a Cora qui participent. C'est pas tranché, mais c'est sûr que les marques distributeurs, en quelque sorte, vont également entrer dans cette application de marketing mobile, en quelque sorte. Ils l'ont déjà fait dans certains cas, directement. Mais sur les applications nutritionnelles, allergènes et empreintes carbone, enfin, ou empreintes environnementales, ils veulent s'aligner sur comme les marques nationales. Hein. Alors, la question n'est pas tranchée de savoir si ce sera les distributeurs eux-mêmes qui saisiront l'information, ou si on utilisera les outils donc, que je ne vais pas noter qui servent aujourd'hui à gérer les cahiers des charges pour charger automatiquement, ou si chaque fabricant de marque MDD aura à saisir, ça fera partie de son cahier des charges, de saisir en plus l'information. Aujourd'hui, ça fait partie du débat, cette question n'a pas été complètement tranchée. Tout d'ici septembre, on saura comment les distributeurs agiront.